Macaulay Culkin raconte comment il a perdu sa virginité, j'avais 15 ans. L'ex-enfant star de Maman j'ai raté, l'avion fait des révélations sur sa vie sexuelle. À 37 ans, Macaulay Culkin n'est plus l'enfant star qu'il a été au début des années 90 à l'époque de Maman, j'ai raté l'avion et de Rich Girl. S'il s'est éloigné du show business, et plus particulièrement du cinéma, il reste encore sur la scène publique en opérant quelques sorties, que ce soit sur les réseaux sociaux, comme après les Oscars, ou plus récemment au micro du podcast Anna Faris Inqualifié. Le comédien y fait quelques révélations, notamment sur sa vie sexuelle. Il s'était penché sur sa première fois. « J'avais 15 ans environ », commence-t-il par raconter, sans révéler l'âge de sa partenaire. Un moment spécial vécu au son des Beatles et de leur White Album. Ça n'était pas dégoûtant ou étrange, on l'avait prévu. Mais c'était chaud et collant, et je me disais, c'est bizarre. Est-ce que je le fais bien, poursuit-il. Aucun regret pour Macaulay Culkin, qui a mis en parallèle sa propre expérience, et celle de ses futurs enfants. 15 ans, c'est l'âge minimum avec lequel je serais d'accord, je pense. Je dirais que le bon âge, c'est 32. Je veux qu'ils attendent jusqu'au mariage, a-t-il plaisanté, avant d'embrayer sur sa vie amoureuse comblée par sa chérie actuelle, Brenda Song. Une femme qui lui fait du bien et à propos de laquelle il ne tarit pas d'éloges. Je mentirais si je ne disais pas que les regards comptent, s'est-il empressé de dire à propos de cette jeune femme de 29 ans, qu'il a rencontrée sur le tournage de Changeant, et avec qui il est en couple depuis plusieurs mois maintenant. Par le passé, il a été marié à Rachel Minet, puis il a passé pas moins de 10 ans avec Mila Kunis.